Vous connaissez le muguet avec ses belles petites cloches blanches. C'est vraiment beau et en même temps très toxique. Oui, ça sent bon. Ça se peut que les enfants soient attirés et veulent mâchouiller une des fleurs. Mais sachez que c'est vraiment très toxique. Il peut avoir vomissements, diarrhée. Il faut faire attention. Alors, c'était important pour moi de vous la présenter. C'est pas une fleur comestible. Retenez ça. Par contre, on peut l'utiliser en homéopathie. Il y a des remèdes qui existent. Il y a même la médecine qui s'en sert. Mais ici, je préfère comme la sentir en faire des beaux bouquets. En gros, c'est ça. Et n'oubliez pas que c'est le symbole du bonheur qu'on se souhaite le 1er mai. Au Québec, qui arrive un peu plus tard, là, on est à la fin mai. Reste tout dépendant de la région où vous restez. C'était le muguet, jolie fleur, mais toxique.